Après 7 ans de négociations, toujours pas d'accord de libre-échange transpacifique. À l'issue du sommet de Hawaï qui s'est achevé vendredi, les 12 pays participants tels que les États-Unis, le Japon ou encore l'Australie ont toutefois reconnu que des progrès ont été faits. Les discussions vont désormais se poursuivre au niveau bilatéral pour tenter d'arriver à un accord global.